Sassou et son fils Kiki. Ils avaient ouvert des compagnies de pétrole. Mais est-ce que vous êtes au courant que Bafoungra paye SNPC aux Émirats Arabes Unis? Donc, Sassou avait délégué à son fils Kiki. Kiki, c'est en Arabie Saoudite. Et il avait confié la gestion aux Arabes pour gérer. Donc, c'est lui le patron de la SNPC en Arabie Saoudite. C'est lui le patron. Mais il avait donné la direction, donc disons la direction, à un sous-directeur. Si je dois le dire comme ça, c'est Kiki qui est le patron. Mais il avait confié les responsabilités aux Arabes. C'est aux Émirats Arabes Unis. SNPC. Voilà ce qui se passe. Là, je prends d'abord le cas des Émirats Arabes Unis. Voilà comment ça se passe. Donc, la SNPC, la compagnie de Kiki, qui est basée en Arabie, aux Émirats Arabes Unis, va acheter le pétrole congolais à bas prix. Je dis bien à bas prix. Donc, le pétrole va quitter Pointe-Noire, des tankers. Les papiers déjà remplis là-bas, comme quoi que c'est la société de Kiki qui achète. Donc, la compagnie de Kiki, qui est basée aux Émirats Arabes Unis, la SNPC de Kiki, qui est basée aux Émirats Arabes Unis, va acheter du pétrole congolais. À bas prix, je dis bien, à bas prix. Il achète. Donc, les tankers, ces bateaux-là, quand ils vont quitter Pointe-Noire, c'est devenu des bateaux achetés. Donc le pétrole acheté déjà par la compagnie de Kiki. Ces tankers-là vont maintenant aller, par exemple, au moment où ils sont déjà en mer. Hein. C'est comme ça se passe, pour ceux qui ne le savent pas. Les bateaux, au moment où ils sont déjà en mer, c'est le pétrole est déjà vendu. Donc Kiki va racheter le pétrole congolais via par ses multiples sociétés. Donc j'ai pris l'exemple, par exemple, sur le cas de l'entreprise qui est basée aux Émirats Arabes Unis. Kiki va racheter, par exemple, le pétrole, je donne un exemple comme ça, disons, bon, à 10 euros. À 10 euros. Donc moins cher. Je prends cet exemple pour mieux faire passer le message. Moins cher. Donc le pétrole devient la propriété de Kiki. Et pourtant, là par exemple, le baril de pétrole atteint des sommets. Des sommets. À plus de 100 dollars le baril de pétrole. Puisque jusqu'à aujourd'hui, ce que je suis en train de vous détailler, les mêmes pratiques se poursuivent. Kiki a des sociétés de pétrole. Donc il achète le pétrole congolais à bas prix. Donc c'est Kiki qui achète encore le pétrole congolais à bas prix. Mais dit Kiki, dit son père. Les gens, Bruno Richard et toi, ils sont en train de m'entendre. Les délinquants sont en train de m'attendre parce que j'ai le dossier contre vous. Si je n'avais des moyens, je n'avais des moyens, j'allais saisir des tribunaux de niveau international. Et on a engagé des grands avocats.